Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Donc c'est Crazy, on se retrouve pour le viticulteur français, donc le premier épisode. Donc ça va être une série 100% sur viticulture, donc j'ai choisi une petite carte, histoire qu'on n'ait pas énormément de vignes à avoir. Parce que si je change une affaire, alors 15, là on a à peu près 20. On va pouvoir en avoir 20 et... 26, pardon. Non, il y a des petits champs qu'on fera pas, genre le 25, je pense pas qu'on le prendra, ça va être assez compliqué de faire une vigne là-dedans. Ah, on peut avoir que... Ah d'accord, ok. On a des bâtiments aussi ici. J'ai pas vu, on a la porcherie. Ok. Nous, sachant que notre ferme, elle est ici. Ah non, on est là. D'accord, on a une autre ferme en haut. D'accord, bah j'avais pas fait gaffe à ça, du coup, quand j'ai préparé la map. Alors, on va regarder ça ensemble. On avait 500 000 euros pour commencer, mais je vais pas commencer avec 500 000 euros. Après, ça pourrait être sympa. Non, bah non, après, c'est une série viticole, on va peut-être pas faire du. Là, c'est des prairies, tout ça. Bah, écoutez, on va laisser ce petit coin-là de la map tranquillement, tout seul. Je suis pas très loin de ma ferme. Ce qui pourrait m'arranger également. Après, à voir, ça fait pas trop dégueulasse si j'enlève ça. Dans le pire des cas, si ça fait dégueulasse, je fais un petit. On va recharger la map et puis voilà. Non, ça fait dégueulasse, il y a la boîte qui reste et tout. Il y a des décos qu'on ne peut pas enlever. Qu'il faut que j'enlève avec le Giants Editor. Pas trop envie. Donc, du coup, là, on va s'acheter notre matos avec 500 000 euros. Ça va très vite. Ça va très très vite, 500 000 euros. Sachant qu'il. Ah, je sais pas s'il y a une usine plaçable, enfin qui est déjà placée pour vendre le raisin dès le début si on a des points de vente. Ça me fait plaisir du coup. Là on a quoi? La scierie, boulangerie, production, dessert. On n'a pas l'usine pour transformer le raisin directement. Non, dans un sens ce qui est purement logique. Sachant que bah, c'est pas une map pour le raisin, donc c'est purement logique. Alors, du coup, nous la partie, je pense cette série, on va rester sur les mêmes dispositions de vidéos que la grille perdue. On va partir sur 2 vidéos par semaine, hein, comme d'habitude. On va commencer par s'acheter un petit tracteur. Et ouais. Donc j'ai installé quelques mods. Désolé, je jette un petit peu. C'est parce que je me suis cassé une dent. Il y a un petit bout pointu qui ressort. Donc le temps qu'il slime avec le temps, bah, il raccroche à ma langue en fait, tout simplement. C'est emmerdant. Alors, on a déjà une vigne de base pour commencer quand même. C'est mieux. Je vais partir sur un petit dos comme ça. On va voir les confits qu'on peut avoir. 300 kg de masse à l'avant. Est-ce que je peux avoir autre chose? On ne peut rien mettre à l'avant. Donc autant mettre une masse. On pourra lui mettre un toit, mais c'est pas le but. Échappement. Un échappement haute, c'est sympa ça. Sur deux choses, ce serait déjà un peu mieux. Si avec les ailes, c'est toujours plus beau. Oh ouais, bah non, là il passe plus dans les vignes. Large comme ça, est-ce que ça passe? Ah, ça me paraît un peu. Je vois pas la différence en fait, le tracteur est juste plus haut. Et en couleur, on peut avoir ça. Deux de ce orange. Pas où? Ouais, je sais pas. On va faire couleur là. Non, c'est vraiment pas beau. Non, on va rester sur les couleurs de base. Donc on va hop en acheter un. Peut-être partir sur deux tracteurs sûrement. Mais avant, on va acheter le matos pour la viticulture. Donc moi, vous me connaissez, j'en prends une double. Pour ceux qui m'ont suivi sur la première série sur la vigne, mais là on va la pousser un peu plus. Mais ça risque d'être très répétitif. En remorque, on va en prendre une belle.
prendre les pendeurs à engrais. Les pendeurs à engrais, c'est que ça. Il faudra que j'en installe du coup. Parce que là, ça peut être possible avec ça. Une broyeuse, je ne sais jamais où elles sont. Petit décompactement aussi. Acheter une broyeuse. Et je vais pas le trouver, hein. C'est un truc de ouf. Je sais qu'il est devant moi. Hop, acheter, oui. On n'a qu'une vigne pour l'instant, donc comme j'ai dit, on va pouvoir pousser un maximum. Après qu'on aura plus de vignes, ça va être chiant de broyer, de cultiver, donc on évitera. C'est pareil, on pourrait faire des apports en fumier. Si on avait des vaches, malheureusement, on n'a pas de vaches. Et le fumier part très vite. Là, du coup, ils mangent juste un épandeur en engrais, ce qui est dommage. Ok, là, bah du coup on est plutôt pas mal. J'ai pas la super force. Incroyable. Ah bah oui, de toute façon, quoi qu'il arrive, il va nous falloir bah, deux autres tracteurs. Un gros pour la benne quand même. Il est en manuel. C'est bon. Hop, parce que celui-là va me servir pour ça justement. Hop. J'irais bien pour acheter un tracteur. Ouais, mais après, commencer avec un seul. Un tracteur, c'est pas ouf, hein. De toute façon, on va être limité assez vite. Parce que je vais peut-être pas prendre un gros. Je vais prendre juste un moyen. Commencer. Qu'est-ce qu'on pourrait partir sur quoi? Est-ce que j'ai mis des mods aussi tracteur? Ça, je ne crois pas. J'avais pas mis. Je me tâte. T7, c'est pas mal, c'est sympa. On va partir sur un petit T7 pour tirer la benne. Configuration des roues. What? 313 chevaux, est-ce qu'on a besoin d'autant? On peut se faire plaisir, on peut se faire plaisir. Ouais, une large plus masse, hein, c'est toujours plus stylé. Voilà, comme ça, on n'a pas que du petit tracteur, on a du gros tracteur aussi. Parce que sachant que à un moment, il faudra que j'investisse quand même dans plusieurs bennes, donc il faudra les tirer. Donc ouais, le choix, je pense, c'est logique. Partir sur un petit T7. Alors je me suis mis un petit silo aussi pour stocker parce qu'au bout d'un moment bah, on va falloir stocker aussi le raisin. Ok. Il y a quand même assez de place pour ranger. Et on va repartir sur du petit tracteur. Là on a 100 000 euros. On va peut-être pas prendre que du mode. Pourrait partir sur du fen. Pourquoi pas. Après, un petit massé, ça pourrait être sympa aussi. Hein. Petit massé, ça pourrait changer. Ça pourrait changer beaucoup. Voir comment ils sont. On va aller en plein en Michelin vu qu'on n'a pas du BKT. Large plus masse. Après à tester avant. Savoir. Chargeuse avant. Non, j'ai pas spécialement besoin. Système d'attelage. 3 points. On va voir. Non. 3 points. Ouais, 3 points. 105 000. J'ai pas assez pour prendre la configuration moteur la plus haute. Sachant qu'il faut qu'il nous reste de l'argent. Et j'ai un doute sur le fait qu'il passe dans les vignes celui-ci. On va aller tester tout de suite. Alors, il va y avoir très peu d'accéléré dans cet épisode. J'ai beaucoup parlé. Parce que bah, c'est le premier épisode, hein, donc on va faire les tâches dans les vignes qu'il y aura à faire. Le peu de tâches qu'on aura à faire. Oh non, il passe large. Oh oui, il est très largement large. Très bien. Elles sont manuelles, ceux-là, ces rhumes.
Hop. Alors, j'ai juste réglé mes paramètres aussi. Ça, difficile. On va se mettre en normal. Et celle de temps, pour l'instant, je vais mettre comme ça. Jour par mois. 1. Pierre de l'échange, requise, ça, on va l'activer pour l'instant. Salis sur standard. Marge automatique. Ok, c'est parce que le freinage stop and go qui était pas activé. Ok, c'est cool. Alors du coup, on commence avec une parcelle, il nous reste 15 000 euros. Donc là, clairement, on va rien avoir à faire. Wow, par contre, il va une vitesse celui-là. J'étais pas prêt. C'est pareil, bah oui, du coup, j'ai toujours pas mon épandeur. Il me reste 15 000 euros. Peut-être fait le con, mais on n'aura pas d'apport d'engrais du coup, bah, pour le premier passage. Mais on va pouvoir labourer tranquillement la vigne, vu qu'on en est au premier stade. D'accord. Et tiens, un truc, j'ai même pas. Non, le démarrage automatique du moteur, je n'en veux pas. Alors. Je sais pas ce que j'ai foutu. C'est pas grave. Alors, du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que. Bah, ça va être la merde un peu, hein. Enfin, je passe 2 fois par an, je vais m'amuser. Donc, bah, on va passer un petit accéléré parce que la vigne, je ne l'ai pas montré, mais est quand même assez imposante, hein, pour une première. Même si les rangs de la fin sont vraiment petits. Là, on part sur. Ouais, ça va encore, ça devrait aller assez vite, hein. Je me plains, mais pas trop à me plaindre. On va dire que ça passe. Hop, donc alors j'espère que non, je fais ça. Non, c'est ça, et après on passe sa broyeuse logiquement. Logiquement, c'est ça, hein. Je ne sais pas, on verra bien. J'espère en tout cas. De toute façon, je vais déjà faire tout dans un sens, et après, je referai tout dans l'autre sens. Ce qui reste assez logique. Hop. Oh bah vous savez quoi, hein, je vais pas vous embêter plus longtemps, on va partir sur un petit accéléré. Et on se retrouve une fois que j'aurai terminé quelques étapes, je pense, à faire dans la vigne. Après le broyage, je pense. Hein, parce que je vais accélérer le temps et tout ça. Donc voilà. Donc on se retrouve tout de suite.
Alors, du coup, je vais sûrement revendre la broyeuse parce que déjà, je me fais chier à le faire pour rien. Parce que regardez, là, je suis passé. Plus 98% bonus de rendement. Bon, ça, on est d'accord. Bon, pour être sûr, je vais mettre là. Je suis plus que 98 aussi. Donc, voilà. Hein, hop, hop, hop. Voilà, tu auras servi deux rangs. Hop. Ensuite. Va falloir récolter. Mais j'aimerais bien passer quand même. On le fera. Parce que j'ai installé un mode qui est vraiment sympa. Celui-là. Et celui-là, on pourra mettre une rampe d'épandage à l'arrière. Donc ça, c'est plutôt pratique. Ce que je vais faire, c'est que on va accélérer le temps. Que la récolte, non, je ne pense pas. Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce premier épisode. C'était un bon début. Moi, je vous dis à très vite pour la suite. Et je pense qu'au prochain épisode, on commencera la récolte. Du coup, ouais, je vais essayer de trouver les modes qu'il me faut. Non, vraiment, là, il me faut les modes, des bons modes. Donc, à très vite pour la suite du Viticulteur français.